C'est parfait. C'est la carte la plus, hein, pour dire que c'est moi. Bonsoir, Monsieur Johnson. Sachez maintenant que votre parti n'obtiendra pas la majorité des suffrages dans la province de Québec, puisque vous considérez que si tel avait été le cas, votre victoire aurait été complète. Voici, évidemment, ce n'est pas nouveau. Il est évident que tous les votes, tout le vote anglophone de Montréal, le vote juif de Montréal, tout ce qui n'est pas canadien-français a été à noir contre l'Union nationale et a supporté les libéraux. Allora, se non sei franco-canadese, non vale niente. Ecco. 30 anni. Voilà. C'est sur ces paroles que nous concluons cette soirée des élections. 51 libéraux ont été élus. 54 députés de l'Union nationale, aucun du ralliement national, aucun du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Pas surpris. Pourquoi c'est ça? Les gens commencent à comprendre que ça mène à rien la politique. Pardon? Ceux qui veulent que ça bouge pour vrai au Québec, ils perdent pas leur temps à aller voter. Je m'excuse, mais je pense que si Bourgois avait été élu, les choses auraient vraiment pu changer au Québec. Le RN n'a pas réussi à faire entrer un député. Bourgois ne m'a pas fait élire dans son comté. À quoi ils ont servi les votes pour le RN?